heureuse de vous confirmer que nous avons pris la décision de mettre en chantier un nouveau Maxi Edmond Rothschild. On veut encore continuer parce qu'on pense qu'il y a encore des choses à faire. La première réunion, c'est quels sont les critères de performance? Je m'appelle Sébastien Sinson. Je suis responsable du bureau d'études au sein de l'écurie Gitana. Je suis chez Gitana depuis début 2012. J'étais à l'atelier, je faisais de la strat. Je trouvais que c'était important avant de travailler en bureau d'études de passer par la case atelier. Ouais, est-ce qu'il y a 42 ou tu vois, un peu plus gros que 40. Et ça doit faire 5 ans maintenant que je suis en charge de toute la partie conception et du bureau d'études. J'aime bien aussi aller sur l'eau. C'est pas là où t'es en condition où tu forces le... C'est important en plus d'aller voir, comprendre, analyser ce qu'on fait à l'ordinateur sur l'eau, regarder les foils en navigation, pourquoi le bateau se comporte pas exactement comme ce qu'on pense. Tu la sauves et tu écris -04. Il n'y a plus aucune vibration aussi. Gitana 18, bah, c'est un peu, je dirais, la consécration de plein de choses qu'on savait qu'on aurait pu faire, qu'on n'avait peut-être pas osé faire. Et puis bah aussi, voilà, ça nous permet, après 7 ans d'exploitation de Gitana 17, de mettre un peu toutes nos idées à l'œuvre sur un nouveau projet en repartant d'une page blanche. Si tu fais ça, ce qu'on a vu, t'es entièrement dehors, donc tu barres complètement dehors, toi. Comme on est un peu brouillon, là, je pense qu'il faut qu'on commence à figer un truc fonctionnel. Ouais. Pour pas perdre cet effet structurel. Pour pas perdre cet effet structurel, parce que si c'est pour faire un truc qui est structurel... Et du... Ah oui, quand tu montes... Oui, d'accord. 3 mètres. Quand tu montes, ton truc est fini. C'était quand même beaucoup plus simple de repartir sur cette page blanche, avec un plus gros potentiel, bien plus gros potentiel que si on était resté avec G17. Là, on a dû être rendu, on doit être à moins 10 à peu près. D'accord. Et là, t'es final, prêt à usiner. C'est la finale là, qui va... Ok. On est venu voir les préformes qui vont servir à strater par-dessus les moules femelles. Voilà, là, on voit une genre de grosse préforme. C'est un mélange entre un châssis en métal, du polystyrène et une croûte. Et tout ça, ça va être usiné pour donner la forme, au final, la forme de la coque, pour tirer un moule, pour après aller faire la coque dedans. On était venu voir l'avancement des moules de coque, coque centrale et flotteur de Gitana 18. Ça nous remet en perspective un peu de se dire que ça y est, c'est concret, c'est là. Et qu'on va pas tarder à mettre des plis de carbone dans ce nouveau bateau, donc ça prend vie, c'est bien. Avoir la chance de pouvoir refaire un tel navire, quelle chance on a de pouvoir faire ça. C'est la complexité d'un avion qui est construit aussi dans un temps qui est extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai pas peur de dire que je pense qu'il y a, il y a plus d'écart entre Gitana 17 et Gitana 18 qu'il n'y avait entre Gitana 17 et la génération précédente de bateaux. Seb va vous présenter le projet G18. Donc je vous demande vraiment, on travaille en transparence, mais je vous demande vraiment la plus grande confidentialité parce que ça fait partie finalement de la réussite du projet. Et il y a vraiment des choses qui sont très innovantes. On a essayé de faire des améliorations, surtout dans la mer. On allait chercher, surtout de ne pas avoir perdu en mer plate et d'avoir gagné dans la voie. C'est pas ça qui va faire aussi la différence, comme on le voit en fait. Si on fait un G18 aujourd'hui, c'est pas parce qu'on va gagner 0,1 ou 0,2 nœuds, hein. C'est beaucoup plus global. On s'est challengé pour ne pas faire un bateau qui était juste une petite évolution pas à pas. On a vraiment fait, je pense, une nouvelle rupture technologique avec ce bateau. De la même manière qu'on avait fait ce travail pour le G17, on aura refait tout ce travail de projection dans l'avenir, on va dire, avec ce navire. Tout est 100% optimisé vol et des risques dans les formes de coque peut-être ou dans la position de certains éléments à bord ou de certains appendices, on n'aurait pas osé le faire il y a quelques années. Là, on ne s'est pas posé la question, on s'est dit bon, le bateau il va voler 100% du temps, donc faisons tout pour qu'il aille le plus vite possible quand il vole. Nous on était fixé là, là on l'a mis là parce qu'on voulait garder. Il y avait un effet cliqueur, on avait plusieurs poulies à pouvoir... Bon après, on pourra toujours... Si on doit pouvoir le déplacer... Je vais rajouter par-dessus pour qu'on voit bien le chemin.
finalement, on essaie de rendre un bateau un peu comme un animal, c'est-à-dire qu'il peut ressentir les efforts, la douleur, et qui arrive à signaler que la douleur est trop forte. C'est un retour hyper riche, donc on a eu beaucoup d'informations de G17 et on les transpose sur le G18. Notre principale force chez Gitana, c'est d'être une équipe et de travailler avec des personnes en interne, mais aussi en extérieur, notamment les équipes de Guillaume Verdier. Et je pense que le succès de ces projets, c'est vraiment un mélange entre quelqu'un comme Guillaume qui va travailler à l'extérieur. Évidemment, ça le nourrit de plein d'idées qui parfois nous paraissent un peu farfelues au début, puis après on les creuse. Puis nous, bah, aussi, on arrive avec nos idées parce qu'on travaille beaucoup et on a beaucoup de données. On navigue sur le bateau, donc nous, on connaît très bien le produit, entre guillemets. Là, en tout cas, entre Guillaume et Gitana, pour ce projet, il y a ce côté un peu exclusif entre nous qui fait qu'on partage tout. Ça va plutôt être, tiens, pourquoi on n'essayerait pas un truc comme ça? Ah ouais, j'y avais pensé, mais j'y avais pensé avec ce petit truc-là en plus. Et puis voilà, il va y avoir des alertes. Ah oui, bah tiens, une bonne idée, du coup, on peut y rajouter ça. Et puis les idées, les concepts se nourrissent comme ça. Chacun va un peu retourner dans son coin, travailler l'idée. Puis à un moment, on se retrouve autour de la table, on se dit, ah c'est marrant, on n'a pas trouvé les mêmes résultats, ou alors on a trouvé tel intérêt ou tel gain à telle chose. Et puis voilà, ça marche vraiment comme ça. Notre manière de travailler ensemble, elle pourrait pas être la même s'il n'y avait pas ce projet commun au début, à la genèse de ce trimaran Gitana 17 à l'époque. Parce que bah voilà, c'était vraiment une première et elle a été faite ensemble. Pas oublier qu'il y a 10 ans, pour Solar, il n'y avait pas de bureau d'études dans les équipes. On est passé d'un bureau d'études où on était en moyenne 2 et jusqu'à 4 quand on a conçu Gitana 17. Aujourd'hui, on est presque une petite dizaine d'ingénieurs à travailler à plein temps. Le bureau de Sébastien s'est énormément étoffé avec des gens extrêmement brillants. La diversité du panel des personnes qui sont arrivées dans le bureau, on a tous à apprendre l'un de l'autre. Ce qui est rassurant, c'est que chacun compte un petit peu sur l'œil de l'autre pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur qui soit faite. Il y a des idées qui viennent de partout, ça apporte une richesse. C'est une vraie richesse d'avoir plein de personnes qui travaillent en collaboration. Même s'il y a un problème de timing, Gaspard, ce que je comprends, moi je le prends sur moi, je le dessine ce machin. Il y a une sorte de dérive qui fait que tout le monde s'emporte après, ça crée des tensions, il y en a qui ne comprennent pas. Moi y compris, donc je suis obligé de rappeler tout le monde, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Parce que s'il faut le faire, c'est maintenant. Parce au niveau du net carénage, je pense qu'il faut qu'on. Pour moi, il y a un net carénage qui appuie de manière un peu glauque. Là, sur le net carénage, pour moi, c'est pas qu'il soit en appui du tout. Sur... Bah, il y a un bout de mousse et de la piste de l'air. Construire un bateau comme ça, c'est vraiment. Le plus compliqué, c'est les échanges. C'est énormément de personnes qui travaillent ensemble. Moi, j'interviens dans la partie structure, donc je touche un peu à tous les postes parce que de la structure, il y en a dans les appendices, dans la plateforme, donc dans la coque centrale, les bras. Je suis ingénieur calcul de structure au bureau d'études de Gitana. C'est vraiment dimensionner, c'est mettre de la matière là où il faut pour pas que ça casse, mais que ce soit assez léger. Aujourd'hui, on a intégré la compétence structure dans le bureau d'études, ce qui nous permet d'avoir un modèle élément fini de la plateforme. C'est vraiment un modèle qui représente la géométrie, la structure de la plateforme et qui nous permet de vérifier l'état de contrainte de la plateforme et sous les cas de sollicitation de mer, de vent, et de s'assurer qu'on respecte les coefficients de sécurité. On a des logiciels de calcul éléments finis. On modélise la plateforme et on la coupe en plein de petits carrés. Et sur chaque carré, on vient préciser l'empilement de composite. Donc là, chaque couleur, c'est une propriété différente. Donc ça veut dire que chaque couleur, c'est un empilement composite différent. Ici, il y a 10 plis de carbone. Ici, il n'y en a plus que 12. Ça fait un modèle très complexe, très lourd, mais qui est aussi très fidèle et qui, du coup, nous permet vraiment de comprendre les chemins d'effort et de représenter les concentrations de contraintes, vraiment mesurer les gradients de contraintes précisément pour s'assurer qu'on va respecter nos critères de sécurité. On essaye avec l'équipe de Sébastien Sinson, Pierre Tissier qui gère le chantier, étaler, on va dire, les décisions et les prises de décision. Qu'est-ce qu'on dit, on se recale une réunion ? De manière stratégique, de sorte à ce qu'on puisse
commencer par choisir la forme de coque. Quand la forme de coque est choisie, on essaie de comprendre où vont venir se localiser les bras, les safrans, les feuilles. Donc on est toujours en train de concevoir parce qu'on a laissé les foils et les mécaniques de foils pour, on va dire, l'instant le plus tard possible pour, afin de gagner le plus possible de performance jusqu'à la fin. La complexité des bateaux et le fait qu'on ait envie de faire de plus en plus de toutes les pièces qui composent le bateau chez nous fait que, en fait, on est rempli de spécialistes aujourd'hui dans le même bureau. On a des gens qui ont travaillé dans l'aéronautique, des gens qui ont travaillé dans les bateaux, des gens qui à la base étaient plutôt dans le bâtiment, qui ont fait des RSE, voilà. Et tout ce mélange fait que c'est hyper intéressant tous les jours. On est le plus gros bureau d'études de consolage et puis on a vraiment cette volonté de tout faire en interne. Ce qui veut dire développer des outils en interne, ce qui veut dire avoir la maîtrise de ces sujets. Mais ça veut aussi dire, et ça c'est pour ça que Gitana est un peu particulier par rapport à d'autres écuries peut-être, c'est d'être capable de prendre ses propres risques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de se dire on part d'une page blanche pour dessiner un appendice par exemple. Et aujourd'hui, on va en faire le cahier des charges, la conception, l'hydrodynamique, la structure, les modélisations éléments finis, les plans de fabrication et suivre la construction de la pièce. Donc c'est hyper enrichissant et hyper intéressant pour les gens qui travaillent au sein de l'équipe. Un petit peu comme si on avait réalisé une œuvre d'art et à plusieurs, donc c'est jouer du piano à plusieurs mains, quoi. C'est extraordinaire. On a une envie de pousser le curseur tellement loin que ça nous oblige à bousculer certaines choses et à aller chercher plus loin que peut-être on aurait osé le faire en 2017 quand on était un peu les premiers à faire un trimaran volant. Avec la déflexion du bras, c'est génial à voir. Sur l'ordinateur, c'est grand comme ça, donc ça fait bizarre. Impressionnant. On y est là, quoi. Là, il commence bien à prendre forme. C'est dément, c'est gigantesque, en fait. Un bateau comme Gitana 18, arrivé à sa mise à l'eau, on sera un peu plus de 50 000 heures de conception, ce qui est colossal pour ce genre de projet. Pour donner un ordre de grandeur, Gitana 17, on avait dû mettre 35 000 heures à un stade un peu après la mise à l'eau. Donc pour le moment, on est un peu la tête dans le guidon et on va dire à bord du TGV et on ne s'arrête pas jusqu'à la mise à l'eau. Mais je pense quand même que le jour où il y aura dans le chantier, je ne sais pas, une semaine, 10 jours avant la mise à l'eau, le bateau avec tous ses appendices et qu'on aura le temps de prendre 2 pas de recul, on va se dire voilà, qu'est-ce qu'on a fait, c'est sûr. On va se dire wow. C'est bien qu'il y ait une limite assez courte. On aime cet exercice aussi. C'est pas comme construire un barrage où quand on a fini sa vie, il n'est toujours pas construit. Non, je pense que c'est un avantage de voir un projet complexe se faire relativement rapidement. Ce qui n'est plus trop secret aujourd'hui, c'est que ça sera un trimaran. Il y a évidemment dans le concept de ce trimaran des choses assez nouvelles, en structure notamment, mais c'est pas ce qui surprendra le plus à l'œil peut-être les gens de l'extérieur. Je pense que là où on va surprendre beaucoup de gens, ça sera sûrement plutôt sur la partie hydrodynamique et aérodynamique. Quoi. Entre les appendices et le gréement, ça va être assez différent. Ouais. On peut dire qu'une grande partie de notre boulot de conception, c'est évaluer les risques qu'on prend dans les choix qu'on fait. Forcément, il y a quand même un peu une pression parce qu'il faut que ça marche.